Je sais pas s'il y a des gens encore qui croient toujours aux relations des réseaux sociaux. Vous voyez, les relations d'amour, les gens sont tout beaux, tout chic, ça donne l'envie de rêver comme si, oh, c'est la relation que je veux, regarder là, ils sont... Je sais pas si les gens croient toujours à ce genre de relations. Parce que quand les gens finissent de faire leurs films là, quand ils éteignent leur caméra là, c'est qui se fond derrière la caméra? Hello guys, vous voyez ce qui se passe, c'est une star des réseaux sociaux du côté de OnlyFans. OnlyFans c'est une plateforme où tu peux mettre tes photos sexy là-bas et puis les gens payent, les gens souscrivent pour te payer. Voilà, chaque fin de mois tu es payé et tout ça. J'ai un OnlyFans et certaines stars aussi ont des OnlyFans, c'est pas forcément pornographique. Tu peux poster ce que tu veux là-bas. Des choses que tu ne veux pas mettre sur ta page Facebook ou Instagram, tu peux poster ça là-bas. Les gens, la jeunesse utilise pour voilà, faire des choses qui ne sont pas jolies. Donc, elle est une des stars de là-bas. Voilà. Et elle se faisait de l'argent. Oui, elle est star. C'est une millionnaire. Hein. C'est ce que vous voyez là, c'est une millionnaire. Elle a gagné son million, ses millions à côté à cause de OnlyFans. Elle a gagné ses millions à cause de ça. Parce que là-bas, là, il y a des gens, même si c'est des orteils, tu penses qu'ils sont jaillis. Ils te donnent 1000 euros, 2000 euros. En tout cas, il y a toutes sortes de choses là-bas. Toutes sortes de choses. Donc, la fille... Elle a commencé son OnlyFans depuis voilà Christian qui était son copain et leur relation était T-O-X-I-C. Voilà, toxic. La relation, j'ai dit ça en anglais, désolé, voilà. Moi ouais, j'ai dit ça en français, I don't know. Anyway, donc leur relation n'était pas bonne. La relation n'était pas bonne, mais vous voyez la relation où ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc c'est passé en 2022, voilà, le jour même de mon anniversaire, 3 avril 2022, c'était chaud ici, voilà, j'ai pas voulu parler de ça et tout ça. Elle a été accusée de doubler son copain. Comment ça s'est passé? Elle dit que ça a été un self-defense. Ça a été, voilà, comment on dit ça, une légitime défense, voilà. Les mecs, franchement, vous avez entendu, hein, il y a des vidéos qui circulent actuellement où les gens essayaient de gager les vidéos là parce que, voilà, on disait que non, c'est lui qui est abusif, c'est lui qui n'est pas bon, c'est lui qui est pas... Alors que c'est Go là même. Vidéo de Go, il y a beaucoup de vidéos qui sont là qui montrent que Go là même. C'est parce que lui-même, on ne sait pas même ce qu'il cherchait. Donc la fille, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il est rentré la nuit, tardivement, et ils ont commencé à faire encore les choses qu'ils font d'habitude. Donc les voisins ont entendu le boum-boum qu'ils étaient en train de faire là-bas. Okay? Et elle aussi, elle a appelé 911 parce que, voilà, elle voulait appeler pour mentir au téléphone par rapport à ce qu'elle a fait. Elle dit, oh, j'appelle parce que mon copain, il a une blessure à la poitrine. Blessure à la poitrine. Après, elle dit que c'est défendre qu'elle a fait ça. Ils ont fouillé, ils ont dit que non. Que ça a été fait même pour douf. C'est une femme qui... Vous avez vu la vidéo que j'ai montée aussi. Vous avez vu comment elle est. Il prenait ça pour l'amusement. Donc, j'ai un petit frère qui me regarde. Faut pas prendre ce genre de choses pour l'amusement. Hein. Faut pas dire que comme c'est une femme... C'est pas grave. Non, 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 non. C'est pas bon. Il faut faire très attention. Elle dit aux policiers qu'ils étaient en train de se niaga. Et puis, il a collé au mur. Il a posé là-bas au mur. Donc, c'est passé, elle voulait se défendre, elle est partie dans la cuisine, et puis elle a pris la chose, et puis elle a juste lancé. On peut juste lancer quelque chose qui a persaillé un truc. Je ne suis pas sûr combien d'années elle a pris, mais elle a été arrêtée, actuellement elle n'est pas dehors. On espère qu'elle va durer là-bas. Je vais me renseigner, je vais venir vous dire où l'histoire est. Vous, les petits frères qui êtes célibataires, qui cherchez les mousseaux, c'est des red flags. Voilà, des red flags. Vous voyez le comportement de ce genre, non. Aucun humain n'a le droit de mettre sa main sur toi, que tu sois homme ou femme, you know, vice versa. Ça, c'est tout ce qui s'est passé là-bas, maison là. Toujours, il y avait Bamba là-bas. On peut faire ce genre de choses. Elle dit que ce qu'elle a pris dans la cuisine pour lancer sur le monsieur, là, elle a lancé ça, juste ça là. Elle a pris ses pelles, elle a lancé ça. Maintenant, les examinateurs, ceux qui examinent, ceux qui font les, you know, les forensics, ceux qui font les check-in des trucs là, ils ont checké et dit que non, ça là, c'est pas juste quelque chose qui a été lancé, c'est quelque chose qui a été forcé. Dans ce qui est sûr, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en cabas. Elle va jouer là-bas, ça c'est clair. 2 jours avant sa douffe, c'est ça, il est reparti encore chez elle. Parce qu'ils font pas là, ce truc, ils font pas là. 2 jours avant, il est parti là, déjà, il allait déjà en 2 jours. On peut faire ce genre de choses. C'est pas tout ce que vous voyez sur la toile là qui est vrai. Les amours, vous voyez des jeunes là. C'est pas tout qui est vrai, vrai. Faites très attention. Ne rêvez pas et puis vous allez rester dans certains choses qui ne vous arrangent pas. Les réseaux sociaux là, il y a plein de fake dedans. Il y a plein de fakery.
Même moi, je suis assis devant vous là. Vous ne savez pas même ce qui est derrière la caméra qui est derrière vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne regardez pas les choses pour penser que waouh, comme les gens allaient au pays des merveilles. Faites attention, ok? Donc voilà, c'est cette histoire qui est là. Voilà le mec, il est parti. Lui aussi, Aboum Sele. Nigérien, je suis sûr. C'est l'histoire qui est là. Vous n'allez même pas croire qu'elle se permet de partir s'asseoir après quelques jours après, on l'attrape dans un bar là-bas. Elle veut se mettre à l'aise. C'est une gomme qui est un bois même. Elle veut se mettre à l'aise. Il y a une dame qui lui a dit non, 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 dégage d'ici. Tu adouffes ton copain, dégage d'ici. Les femmes noires n'avaient pas voulu se mélanger dedans. Les gens n'avaient pas voulu se mélanger dedans parce que la plupart du temps, les gens disent que oh, pourquoi nos frères nous laissent pour aller prendre les toubabous. Vous voyez, non, il y a toujours ces petits trucs. Donc les noirs n'avaient pas voulu parler dans cette histoire. Mais moi, je voulais vous informer sur cette histoire, surtout à vous, les petits frères. Faites attention. Quand une relation est quelque chose de tox, quand c'est ça là, quand tu vois, tu connais. Plusieurs fois, il y a Nyaga. Plusieurs fois, même mec là dehors. Plusieurs fois, ça revient. C'est quoi? Anyway, c'est une vidéo qui date de 2 ans. Mais voilà, quelqu'un m'a envoyé ça. J'ai dit pourquoi pas vous expliquer ce qui se passe. Parce que ça peut être vieux, mais il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas vu. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'était une star de OnlyFans. Voilà, qui malheureusement a vu sa vie arrêtée comme ça et la vie de l'autre terminée. Portez-vous bien cette défausse, on se voit dans une autre vidéo. Alright, take care, bye.